vous aider? Peut-être. Cherchez quelque chose? Quelqu'un. Hein? Qui? Comment ça va, Jvin? Bordeaux, on se connaît? C'est bien toi, quelle bonne surprise. Monsieur Ashvin, Capoir qui ne reconnaît pas son ami d'enfance. Tu vas me vexer. Guillaume. Guillaume. Eh oui, le fils prodigue est de retour à Nombril du monde. C'est toi. J'ai tellement changé. Et ça fait quand même 20 ans. Moi j'ai l'impression que c'était hier. Et toi t'es toujours aussi beau, hein. Arrête pas. Tu vas me faire rougir. Enfin. Je voulais revoir l'île. Mes amis, la maison. Et ton père, j'imagine. Accessoirement. Très accessoirement. Ça, j'ai du mal à le croire. J'ai d'autres priorités. Et ta mère? Elle n'est pas du voyage? J'ai préféré rien lui dire. Elle m'imagine à Paris, à la fac. Tu vis à Paris? Ça doit être génial. C'est pas mal non plus, l'île Maurice, hein? Oui, on en a très vite fait le tour. Hein. Qu'est-ce que t'attends pour partir, alors? Il faut de l'argent. Tu m'étonnes. Rien que le billet d'avion, ça m'a coûté un bras. Alors, t'es pas devenu millionnaire? Pas encore. Et toi, comment ça va? La famille? Saloni bosse à Nombril du monde, comme moi. On avait le même âge, mais c'était toi mon ami. Et normal. Elle était toujours fourrée dans les jupes de notre grand-mère. Oh, la terrible Chana. Mmh. Oh, elle me faisait peur avec ses grands yeux d'ogresse. Elle nous a quittés. Ma mère aussi. Il y a 15 ans. Cancer. Bon, on a traversé une période difficile, mais ça va. Hein. Ça va, t'inquiète pas. Et ton paternel, il a tenu le choc? Ça a été dur. Maintenant, il vit chez sa sœur à Rivière-Noire. Moi, j'ai jamais vraiment quitté le domaine. Hein. J'ai commencé à travailler pour ton père à 16 ans. Je m'occupe du jardin, de la maison. Ah, Saloni nous a rejoint l'année dernière, après ses études de gestion. C'est une tête, hein. Elle s'occupe de tout. Paul Marie se repose un peu sur nous. C'est presque familial. T'es son fils adoptif, en quelque sorte? Il n'a qu'un fils. Et le voilà devant moi. Ça fait du bien de te retrouver. J'avais un peu le trac de débarquer ici à l'improviste, mais avec toi sur place, tout va mieux. Et tu aurais dû revenir avant. C'est l'avenir qui m'intéresse. Ton père est à l'intérieur. Il va être fou de joie. Tu lui manques. Il te parle souvent de moi? C'est pas son genre. Mais il garde un album photo caché dans son bureau. C'est pas cool de grandir sans père. Mais tu vois, je me suis débrouillé. J'ai tourné la page, mais on veut même pas. Qu'est-ce qu'on sait vraiment de l'histoire de nos parents? Tu sais, mon père et ma mère, par exemple, c'était un mariage arrangé. Et pourtant, mon père s'est effondré quand elle a eu son cancer. Elle était encore si jeune, si belle. Il n'a pas refait sa vie? Il n'a pas eu envie, je crois. Ma mère non plus. Et Paul-Marie, il n'a pas souri depuis 20 ans. Ni même envoyé une carte postale. Je suis simplement venu chercher de l'aide. Il fera n'importe quoi pour toi. Tu crois? Il suffit de demander. La culpabilité fera sans doute des miracles. T'es devenu cynique. Faut croire. Écoute, tu sais, ton père, c'est un homme triste. Un sale bonhomme triste, oui. Je veux juste réaliser mon rêve, notre rêve. De quoi tu parles? Tu te souviens quand on allait à la chasse au dodo? Oh, ta mère n'aimait pas que je t'entraîne dans la forêt? Et surtout du côté de la mare aux illusions. Oui, je venais te chercher en cachette. Et on partait à l'aventure, on pistait le dodo, près du vieux campement indien. Aïe, ah, des jolis sons, net, ça. Non, une quête. Ma quête. Tu es sérieux? Le dronte me passionne. Ce sera mon sujet de thèse. Bon, mon prof n'est pas très chaud, mais il m'a laissé 2 mois pour le convaincre. C'est le soleil mauricien qui tape trop fort ou quoi? Non, mais ces histoires de chasse au dodo, c'était un jeu d'enfant. Mais ces bêtes-là ont été exterminées il y a bien longtemps. Par les marins hollandais au XVIIe siècle, très exactement, oui. Non, je suis bien documenté.
Je termine des études de biologie et je veux étudier les restes du dodo. Je t'annonce officiellement que je vais reconstituer l'écosystème du plus célèbre des oiseaux mauriciens. C'est mon but. Et je vais demander à mon paternel de financer mes recherches. Il peut bien faire ça pour moi, non? Et ça va lui coûter cher? Un bon paquet. Mais il en a les moyens, je pense. Ah, il n'est plus si riche que ça, hein? Mais il te soutiendra. Après tout, c'est ton père. Ah, je veux pas de lui comme père. Je veux pas être son fils. Mais il a quand même une dette envers moi. Aïe, Guillaume. Tu es en colère. Très en colère, même. Fais la paix avec lui, tu sentiras mieux. Ashley! T'es là? J'arrive! Des plombs ont encore sauté dans mon bureau. Ça va bien se passer. Bonjour, monsieur. Bonjour, jeune homme. Alexis Kervinik. Paul-Marie Le Dantec, enchanté. Quel jardin! Des arbres centenaires. Kervinik, il y a des Kervinik, non, à Pointe-aux-Canonniers? Je n'ai aucune origine mauricienne. Pourtant, votre maison est impressionnante. Nombrée du monde est vaillante, c'est un grand vaisseau qui traverse le temps et les tempêtes. Ce n'est pas pour rien que mes ancêtres étaient bretons. Des marins? Des cadets, sans héritage, partis sur les mers pour faire fortune. Kervinik, vous êtes breton vous aussi? Effectivement. Asseyons-nous. C'est un de tes amis? Non, il attendait là, devant la maison. Qu'est-ce qui vous amène chez nous? Mes études. Tous les gars d'ici partent loin pour étudier, vous faites l'inverse, je suis intrigué. Je prépare un doctorat en biologie. Sur quel sujet? Les mécanismes d'interaction entre plantes et animaux en vue d'appliquer ces découvertes à la préservation des écosystèmes. La forêt primaire ne recouvre plus que 2% de l'île. Pour la préservation, c'est un peu tard. Justement. Il faut sauver ce qui peut encore l'être. C'est passionnant, Alexis. Discutons. Je vous laisse. Oui, il faut que j'aille régler les problèmes d'électricité. Merci, Ashvin. Cette maison tombe en ruine, c'est un désastre. Et donc, la raison de votre visite chez nous, j'avoue, n'est pas bien saisir. J'ai travaillé sur des relevés topographiques de l'île et je souhaite mener l'essentiel de ma recherche sur votre plantation. Et qu'est-ce que Nombril du Monde a de particulier? Une situation géologique idéale. Si vous alliez droit au but... Je rêve de reconstituer l'écosystème du Dronte. Le fameux dodo mauricien. L'oiseau qui ne volait pas. Et peut-être même le ramener à la vie. Si je pouvais confier du matériel génétique au laboratoire de mon université... Ah, je suis très sérieux. C'est une démarche scientifique. Mais à une équipe des Pays-Bas qui travaille déjà sur le sujet, non? Je suis français. Je veux développer ma propre théorie. Damer le pion aux Hollandais. Ces exterminateurs de Dronte. Ça me plaît. Avez-vous entendu parler des liens supposés entre dodo et tambalacoque? Non, mais nous avons ici une très belle commode en tambalacoque. Le tambalacoque est un arbre endémique rarissime. Ça ne reproduit plus. On a émis l'hypothèse d'un lien entre l'impossible germination des graines de tambalacoque et l'extraction du dodo. Le fruit du tambalacoque, entouré par une coque très dure, aurait eu besoin de passer par l'estomac du dronte pour pouvoir germer. Ce type d'interaction entre arbres et animaux, c'est courant. Quand un animal disparaît, tout son écosystème est menacé et des ressources naturelles sont perdues à jamais. En comprenant ce qui est arrivé à ce mystérieux dodo, on pourrait peut-être aider l'humanité tout entière et, en le ramenant à la vie... Préserver des plantes de l'extinction. Des végétaux qui peut-être fourniront des médicaments pour soigner les maladies de demain. En tout cas, ce gros oiseau nigo vous rend bavard. Je rêve de le rencontrer depuis que je suis enfant. Un petit français. Il a du dodo. Ce n'est pas banal, non? Je faisais collection de timbres. Il y a de très beaux timbres mauriciens représentant le dodo. Vous savez, je suis un vieil homme. J'apprécie ma tranquillité. Les couches sédimentaires susceptibles de contenir des graines et des ossements en bon état de conservation semblent avoir été particulièrement bien préservées dans votre domaine. Nombril du Monde serait donc, à mon insu, un cimetière de dodo. Donnez-moi l'occasion de fouiller. La part des désagréments, qu'est-ce que vous me proposez? Votre part de gloire dans mes futures découvertes. J'ai abandonné depuis belle lurette ce genre de vanité. Faire avancer la science. Si je vous disais que je m'en moque un peu. Aider un étudiant. Pourquoi pas. Faire du business. Ça ne se refuse pas, mais comment? En faisant affluer les touristes.
épuisant. On pourrait vendre des reportages aux télés du monde entier. Nous avons effectivement besoin d'apports financiers. Voilà un point sur lequel nous pouvons être d'accord. Un squelette de drone vaut une fortune. Je signe. Mon matériel arrivera progressivement. Mon directeur de recherche doit d'abord valider mon sujet. Je dois lui envoyer des éléments pour étayer mes hypothèses. Vous logez où ? Je vais chercher un hôtel dans les environs. Nous pouvons vous louer une chambre ici, vous savez. Dans la maison ? Oui. Tout le monde sera gagnant, nous vous ferons un prix d'amis et vous serez plus proche de votre terrain d'investigation. J'accepte. Vous avez des bagages ? Oui. Je les ai laissés dans la voiture que j'ai louée. Elle est garée où ? Devant les grilles. J'ai pas osé les ouvrir, trop impressionnantes. Les grilles de Nombril du Monde ne s'ouvrent plus. Elles ont rouillé. Il faut prendre par le petit chemin marron. Celui des esclaves en fuite ? Exactement. En cette période de l'année, ça doit sentir le caramel chaud à plein nez. On brûlait les champs de canne le long de la route ce matin. Cette odeur est si obsédante. On produit toujours du rhum sur cette propriété ? Non, nous vendons la récolte à une coopérative. La canne à sucre ne rapporte plus, vous savez. Vous voyez, vous tombez à pic avec vos recherches. Je vais aller récupérer mes affaires. Allez-y, je vais demander à Salonie de nous faire servir le breakfast sous la varangue. Breakfast sous la varangue. Un autre monde. Tu te souviens de mon fils ? C'est un silence indécis ou un silence complice ? Vous avez joué la comédie ? Lui aussi. Je respecte son choix. Puis ce n'est pas plus facile pour lui que pour moi. Je n'aurais pas su quoi lui dire. Ça va, monsieur le Dantec ? Ce n'est rien. Je ne m'y attendais pas. Il vient pour le dodo. On va l'épauler. En l'appelant Alexis ? Et en le traitant comme un touriste ? Oui, je vais financer son projet. Après tout, tout est à lui ici, c'est son héritage. Et parlez-lui. Pour lui dire quoi ? Que vous vous excusez ? Vous aimeriez apprendre à le connaître ? Je préfère éviter les grandes scènes. On va y aller doucement. Tu ne dis rien à personne ? Même pas à ta sœur ? Pour chacun, il restera Alexis. Nous allons garder ce secret, d'accord ? Oui, monsieur. C'est vous. Shana, tu peux t'arrêter.
Mère est partie pour Rosine, tu ne l'auras pas sur le dos durant plusieurs jours. Mais elle vérifiera que le travail a été correctement fait à son retour. Et si ce n'est pas le cas, elle m'enfermera dans le godon pour me punir. Accorde-moi 5 minutes. Regarde-moi. Shanna, regarde-moi. Tu es belle. Ne sois pas gênée. Tu détournes les yeux à chaque fois que je te le dis. Ce n'est pas bien si on vous entendait. Montre-moi ce soir au fond du parc, près du kiosque. Charles, ça ne se fait pas. On est amis depuis l'enfance, tu sais que tu peux me faire confiance. Je n'ai pas droit de quitter le campement la nuit. Je veux te parler. Vous allez me causer des ennuis. Pourquoi tu ne me tutoies plus? Je suis une domestique. Nous avons grandi ensemble. Raison de plus pour mettre de la distance à présent. Vous et moi, on n'est pas du même monde. Si l'on décidait, toi et moi, de se moquer des préjugés, je serais le plus heureux des hommes. Qu'est-ce qui vous arrive ce matin? Je suis mélancolique. Je me rends compte que le temps file, que les bons souvenirs ne seront bientôt plus que des souvenirs. J'ai peur de ne pas savoir apprécier le présent si tu n'es plus mon présent. Redresse-toi. Tu trembles? C'est la fatigue. Je t'ai toujours aimé, Shanna, viens contre moi. Pas ici. Ce soir, alors? Non. Et si c'est un ordre? Un ordre? Je plaisante. Je ne peux pas dire que tu me plais pas. Je ne peux pas dire que je ne rêve pas de toi. Et mieux vaut des espoirs et des regrets que des désillusions et des blessures. Je ne te ferai jamais de mal. Mes parents préparent mon mariage. Ton père est venu demander à ma mère l'autorisation de te laisser quitter Nombril du Monde. Et? Ce sera mon père qui tranchera à son retour d'Europe. Quand revient-il? C'est un long voyage. Il n'est jamais pressé de retrouver sa famille. Qu'il prenne son temps. À qui as-tu été promise? Un commerçant de notre caste. Et tu l'aimes? C'est toi que j'aime. Je n'ai rien dit. Au contraire, tu as tout dit. Tu seras mienne, Shanna, d'une façon ou d'une autre. Je vais demander à ce que tu sois de service au repas de ce soir. Nous nous retrouverons après. Ça ira bien. Mais et si la météo nous joue des tours? C'est fini, cette époque-là. Et qu'est-ce que vous en savez? Avec les changements climatiques, les masses d'air se sont décalées. Alors, ça vaut le coup d'investir dans la restauration de la varangue. Ce sera du long terme. À long terme, je serai mort. Ne me dites pas ça. Mais, il faut profiter de la vie. Guillaume est retour. Il ne restera pas très longtemps. Il ne semble pas satisfait de ses découvertes. 2 semaines à creuser comme des galériens et seulement quelques fragments d'os, difficilement identifiables. Ouais. Pas de quoi financer la restauration de la varangue, donc. Mais il faut pas désespérer. J'apprécie ton aide. Je fais comme je peux. Je te paierai des heures sup. Pas la peine, ça me plaît de creuser avec lui. En tout cas, prends sur ton temps de travail. L'entretien du jardin peut t'attendre. Ah, ça je veux bien. Il est de compte travailler tout le week-end, tu pourras l'aider. Quelques heures samedi, oui. Et dimanche? Non, dimanche je peux pas, je vois des potes. Oui, fais un effort, je te filerai du cash à la fin du mois. L'argent serait mieux utilisé pour la varangue. Ah, Salonie. La voix de la sagesse.
La sagesse et le plaisir font rarement bon ménage. J'ai très envie d'investir dans les recherches d'Alexis. Ça me fait rêver. Pourvu que la baronne ne s'écroule pas sur vos nuits, avec votre habitude de dormir près des étoiles. Mourir en même temps que nombril du monde. Quelle belle fin. Que les deux Dantec et leur navire s'échouent en même temps et retournent à la poussière. De la poussière d'étoiles pour enterrer une grande famille. Vous avez encore des cousines? J'ai aucune envie de les voir, celles-là. Quelle bande de jacasseuses. Si vous appréciez tant votre solitude, pourquoi avez-vous laissé ce garçon s'installer ici? C'est notre sauveur. Un rêveur. Et pour l'instant, le nourrit. Vous vous rendez pas compte du coup? Il paye sa chambre. À crédit. Oh, elle a toujours été près de ses sous. Pour le coup, c'était près des miens. Vu l'état de vos finances, y a pas de quoi rire. Les découvertes d'Alexis nous rendront riches. On ne sait rien de lui. La confiance, c'est instinctif. On n'a jamais cherché de dodo ici. Mais les anciens nous racontaient des contes pour nous endormir. Un peu de poésie, ça ne fait jamais de mal. Sois un peu concret, mon frère. Je n'ai peut-être pas la tête aussi pleine que la tienne, mais j'ai gardé de la place pour des rêves. En tout cas, cet inconnu qui se balade librement sur votre propriété, ça ne me dit rien qui vaille. Il te fait peur. S'il vous vole pendant votre sommeil, il ne pourra pas venir pleurer. Voler quoi? Bon, les enfants, je vous laisse. Tu m'as acheté la presse française? C'est sur votre bureau, monsieur. Regarde ça. Évidemment, pour ce week-end, tu laisses tomber? Et jusqu'à preuve du contraire, je fais encore ce que je veux de mon temps libre. Tu consacres 2 à 3 heures tous les jours, Alexis. C'est suffisant, non? C'est une aventure passionnante. C'est dommage que tu passes à côté de ça, d'ailleurs. Toujours pas de découverte exceptionnelle, j'imagine? Pas encore. Je n'ai pas cru un seul instant aux promesses de ce farfelu. Tu t'inquiètes pour le budget? Non, continuez de vous amuser. Continuez. Mais alors, pourquoi ces histoires de dodo te tracassent tellement? Je creuserai avec lui samedi. Quoi? Mais dimanche, je peux pas. J'ai prévu un pique-nique en tête-à-tête. T'as un rendez-vous? T'as une copine? Ça t'intéresse? Ben un peu, t'es mon frère. Et toi? Tu me dis rien, je ne sais rien moi non plus. En ce moment, j'ai pas le temps. Tu m'as jamais présenté personne. Pourquoi me précipiter? Je suis beaucoup plus jeune que toi. Eh, mais tu es une femme. Et alors? Une femme sans homme est forcément malheureuse? Mais toi, tu te fais que travailler. Je m'épanouis professionnellement. Tu ne profites pas de la vie. Tu es comme Paul-Marie. Tu souris jamais. Tout le temps. Sur commande, professionnellement. Moi, j'ai envie de te voir amoureuse. Hein, c'est bon de se sentir aimée. Prends-moi un amant. Oh, tu sais même pas de quoi tu parles. Tu aimes bien tout savoir. Hein. Tout contrôler, tout gérer. Mais moi, j'ai mes petits secrets. Bon, je peux te dire que... je suis avec quelqu'un. Depuis longtemps. Menti. Un jour, peut-être, tu feras sa connaissance. Mais je n'attends que ça. Ah, juste pour info, hein. Je crois que tu plais à Alexis. Et alors? Et alors, je crois que c'est réciproque. N'importe quoi. Bah, avoue que tu le trouves mignon. Insupportable. Mais tu le trouves beau. Ce prétentieux, je regarde même pas. Toi, tu ne répondras pas à ses avances. On parlait des fouilles. S'il te plaît, ne t'investis pas autant. Pourquoi? Oh, parce qu'il faut pas copiner avec les blancs, c'est ça? Ces gens-là seront jamais tes amis. Toi, tu aurais pu travailler pour des Indiens. Hein? Obtenir une meilleure place. Négocier un contrat beaucoup plus intéressant. Alors, pourquoi tu es revenu ici? Non, ce sourire narquois, là, je le déteste. Les capots ont des comptes à régler avec les deux Dantec. Et tu contrôles toi, nombril du monde. Tu es fier de toi? Ce n'est qu'un début. Qu'est-ce que tu veux? Oh, tu veux tout racheter. Tu veux les mettre à la porte. Tu effaces leur ardoise si facilement. Leur ardoise? Je me sens pas concerné. Shana est morte il y a bien longtemps. Si tu le fais pas pour grand-mère, pense à papa. C'est leurs affaires. S'ils ont pas su régler leur compte, pourquoi ce serait à nous de le faire? C'est l'esprit de famille. Qu'est-ce que tu manigances? Laisse tomber. Tu as toujours agi en douce, hein?
Petite, déjà, tu arrivais à obtenir ce que tu voulais de papa sans même avoir à le demander. Ça t'a agacé d'ailleurs. C'est Shana qui t'a appris ça. À manipuler les hommes. Je ne m'occupe pas des hommes. Gérer cette propriété, c'est un plein temps. Mais si on trouve des fossiles, on pourra sauver le domaine. Mais dis-moi, tu l'aimes vraiment, toi, Paul-Marie Le Dantec? C'est comme un père adoptif. Il s'est toujours occupé de nous. Pour quelle raison, d'après toi? Parce que notre famille a toujours travaillé sur le domaine. Alors c'est du paternalisme colonialiste? Et puis faut voir dans quelles conditions ils vivaient ici, nos ancêtres. On dirait que ça arrange tout le monde d'oublier. Tu creuses du côté de la mare aux illusions, non? Tu as vu à quoi ils ressemblaient en 5 ans indiens? Les cases barriques, le coin insalubre infesté de moustiques. C'est là qu'ils vivaient les engagés indiens, le plus loin possible de la maison des maîtres, pour pas trop les voir, pour pas sentir leurs odeurs. Ça le nie. C'était il y a bien longtemps. Longtemps? Grand-mère habitait là-bas jusqu'à son mariage. Le père de ton patron, de ton père adoptif. Il a tué ton grand-oncle. Jusqu'à preuve du contraire, on sait même pas si cette histoire est vraie. Shana nous a demandé de le venger. En nous bourrant le crâne avec sa colère. Sans jamais nous donner d'arguments clairs. Non, 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 moi ça m'a vite saoulé, hein. On saura jamais la vérité. Et puis faut pas tout mélanger. Tu ne devrais juger Paul-Marie que sur ses propres actes. Je ne pardonne pas aussi facilement. Il t'a aidé pour tes études. Sois pas ingrate. Tout ce qu'il a fait, c'est par culpabilité. Ou en mémoire de maman. Je peux pas pardonner. Et je vais te donner un conseil. Obéis-moi et arrête de les aider. Arrête de faire ton petit chef, là, c'est encore moi le grand frère. Et parce que t'es le plus vieux, t'es forcément l'exemple à suivre. Regarde ce que t'as fait de ta vie. Pardon? Tu me juges? Ashvin, tu étais brillant. Et t'as préféré te contenter de travaux d'entretien. J'ai une bonne place. Tu es son larbin. Je dirige le navire. J'hallucine. Je m'inquiète pour toi, c'est tout. Tu n'as pas d'ambition. Qu'est-ce que tu feras le jour où Paul-Marie n'aura plus les moyens de t'employer? C'est pas à l'ordre du jour. Ça viendra plus vite que tu ne le crois. C'est-à-dire? Il n'y a plus d'argent dans les caisses. Oui, depuis longtemps. Oui, mais là, c'est dramatique. Peut-être même que tu devrais commencer à chercher du boulot ailleurs. Merci pour l'info, hein. Tu m'as convaincu. Convaincu d'aider Alexis, tant que je peux. Hein, c'est visiblement la meilleure option pour sauver mon domaine et mon emploi. Ah bah tiens, le voilà. Je vais vous laisser tous les deux, hein. Je crois qu'il a envie d'être seul avec toi. Hein? Tu pourrais me préparer un thé, s'il te plaît? Je ne suis pas la domestique. Je sais. C'est juste que j'ai très soif et que j'ai les mains très sales. Ok. Fais comme si j'avais rien demandé. Et je ne vous ai pas encore autorisé à me tutoyer. Il n'y a pas à dire, tu incarnes délicieusement l'hospitalité mauricienne. Je vous supporte du matin au soir depuis 2 semaines. C'est déjà bien. Salonie. Tu sais que j'adore ton prénom. Vous allez pas reprendre votre numéro de drague à 2 balles? Ah, tu me trouves lourd? C'est de la maladresse. Je sais pas comment te faire comprendre que tu me plais. Les Blancs sont si présomptueux. Ils baptisent leur domaine Nombril du Monde et pensent avoir la main mise sur le petit personnel. Je suis sincèrement attiré. J'ai aucun préjugé. Je suis juste un homme qui aimerait sortir avec une femme. Désolée, je suis pas intéressée. Passons un moment ensemble. Tu changeras peut-être d'avis. Par quel miracle? Peut-être que je suis drôle. Un minimum cultivé, que je pourrais t'écouter parler pendant des heures. Quand est-ce que tu m'accordes un moment? Juste un petit moment. Vous ne mettrez pas la belle noire du domaine dans votre lit? La belle noire? Ah oui, c'est une subtilité locale. Toutes les peaux qui ne sont pas blanches sont noires. Bah, la couleur de ta peau, je m'en fiche. Moi, j'aime tes yeux. Tes grands yeux. Noirs. Je n'ai aucune confiance en toi. Je suis certaine que tu mens. Je sais pas ce que tu veux encore, mais je vais le découvrir. T'es si belle, si fière. Je suis fière d'être une indienne. Et je serai pas un blanc m'approcher. Oh. Hey, c'est pas un peu dépassé, ces histoires couleur de peau? Quand on est descendante d'esclaves... D'engagés. Vos ancêtres, c'était des engagés. Tu es bien renseignée pour un touriste.
J'ai lu un guide dans l'avion. Et je sais faire la différence entre une esclave et une engagée. Théoriquement, les Indiens sont venus de leur plein gré, en signant des contrats. Mais dans les faits... Ça ressemblait à de l'esclavagisme. Définitivement. Alors, les Ledantex sont d'anciens esclavagistes ? On dirait bien. Mais je ne suis pas l'un d'entre eux. J'ai pas donc t'inviter à boire un verre un soir. Même pas en rêve. Le plus court chemin pour rejoindre les champs. Bah, je sais que tu n'as pas le droit d'emprunter cette route, va-t'en. Depuis quand est-ce que tu me donnes des ordres? Depuis que mon grand frère chéri oublie d'aller travailler. Shana, je dois te parler. Tu viens encore me faire la morale? Sois obéissante et écoute nos parents. Tu l'as vu, mon prétendant? Vieux, bedonnant, édenté. Oui, mais il est très gentil d'après ce qu'on dit. C'est son argent qui le rend aimable. Si tu l'épouses, papa pourra acheter un lopin de terre au Ledantec et tout sera différent. Tu dois aider les parents à quitter les baraquements. Tu me demandes de me sacrifier. C'est la seule solution. Avant, tu me protégeais. Tu me comprenais. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Se battre pour une vie meilleure. Tu veux rêver? Rêvons. Finis les chants. Fini le ménage. Fini d'obéir au maître. Fuyons. Pour aller où? Elle est toute petite, cette île. En Inde. Avec quel argent? L'argent de ton époux. Idiot. Et pourquoi tu cherches pas un travail ailleurs? Mieux payé? Et qui voudra d'un malbar qui a rompu son contrat? Il faut te battre, Ashik. Ils ont créé un syndicat. Je les ai rejoints. On se réunit, on agit. Je sais. Tout le monde le sait. Le Sirdar est au courant de tes activités. Il en a parlé à madame. Elle se méfie de toi désormais. Et moi, je me méfie de son fils. Joli monsieur. Il te tourne autour, c'est pour cela que je te surveille. Je ne peux pas te laisser seul avec lui. Ashik décampe d'ici. Ils ont commencé à couper la canne depuis longtemps. Le Sirdar ne te paiera pas ta journée. Alors autant ne pas aller travailler. Dis ça à papa, tu verras sa réaction. Shana, j'ai peur pour toi. Toi aussi, tu cherches ton regard. Mais nous n'avons rien à espérer de ces gens-là. Ça va mal finir. Occupe-toi de tes affaires. Tu refuses d'obéir aux parents parce que tu l'attends. C'est de la folie. Si tu épousais un Indien, je serais rassuré. Hein, ce serait une bonne union pour toute je la famille. Je ne suis pas amoureuse de lui. Serait, est-ce que nos parents se sont mariés par amour? Tu prétends avoir les idées progressistes? Sois progressiste. Une femme, même indienne, a le droit d'écouter son cœur. C'est à cause des livres des Blancs. Qu'est-ce que tu racontes? Virginie et Paul, là, les choses que tu nous racontais le soir. Il n'y a que les Blancs qui se marient par amour. Tu es jaloux parce que j'ai appris à lire et pas toi. Monsieur Charles ne voulait pas rester avec moi pendant les leçons et on lui passait tous ses caprices. De l'instruction pour une indienne? Et nos parents qui croyaient que ce serait ta chance? C'en est une. Oui. Oui, j'aurais voulu être à ta place et apprendre. Mais Monsieur Charles ne voulait pas caresser mes mains sous la table. Va-t'en. Une fille qui sait lire et écrire, ça ne sert à rien.
Alors viens au moins aux réunions, tu nous aiderais à diffuser nos revendications. Ah oui? Et tu crois que tes amis travailleurs accepteront l'aide d'une femme? On peut pas tout changer en un jour. Je dois donc me résigner à épouser un homme qui me répugne. Continue de rêver si tu veux. Ça va te coûter cher. C'est bien de revendiquer la liberté. Mais il faut se battre pour toutes les libertés. Yeah, yeah, yeah. Papa, l'imagination c'est bien, mais quand ça devient du délire... Je sais aussi que tu négocies le prix de certaines pincelles. Le commerce de la canne n'est plus très juteux, c'est qu'à le dire. Il faudra bientôt commencer à vendre. Mais comment tu peux dire ça avec le sourire? On jouait ici quand on était gamin, c'était notre terrain de jeu. Notre terrain de jeu, notre seul horizon à nous, les petits-enfants d'esclaves. Alors ce naufrage-là, ça te réjouit? Oui. Et la mare aux illusions? Il est temps que les dernières traces du campement indien disparaissent. C'est une question de dignité. C'est le patrimoine des engagés. Tu ne veux pas qu'on oublie, alors ne le détruis pas. Le domaine serait bientôt morcelé, c'est inéluctable. Et le dodo? Une utopie. Aucun résultat concluant jusqu'à présent. Ton Alexis, là, c'est un imposteur. Il a trouvé que ça pour se tirer sans fric au vélo d'Antec. Tu es fier de toi, hein? Qui aura les moyens d'acheter dans les nouveaux morcellements? Des étrangers? Des blancs? C'est ça que tu veux? Laisser ce qu'il reste de notre île en pâture aux promoteurs? Paul-Marie ne parle même pas de la vente de son domaine. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas encore. J'aurais dû m'opposer à ton retour. Je pouvais pas m'imaginer que... Que je serais loyale envers la famille? Hein? Envers grand-mère? Que tu serais capable d'aller aussi loin? Tu accélères sa ruine, là. Tu l'as trahi. Tu sais ce qu'elle a vécu, Shanna, ici? Encore ces vieilles histoires. Mais qui pourtant te concerne? Mais moi, je vis au présent. Mais si tu penses que le présent n'a rien à voir avec le passé, tu fais fausse route. Et toi? Sur quelle route tu t'engages? Je suis un peu perdu. La route qui mène nos ancêtres esclaves vers leur liberté. Hé, y a jamais eu d'esclaves dans la famille. Mais c'est dingue quand les souvenirs s'effacent. Fort heureusement, je me charge de réparer les injustices. C'est un combat d'un autre temps. Quand les blancs nous regardent, ils pensent malbar, esclaves, domestiques. Mais dorénavant, nous avons le pouvoir. Ils sont obligés de composer avec les Indiens. Mais tu t'entends parler, là? Tu traînes avec les Occidentaux? Moi, je veux leur faire payer leur arrogance. La colère. Ça a toujours été ton moteur, ça. Tu me rappelles grand-mère? Quand elle hurlait après les arbres. Moi, sa rage me faisait peur, moi. Tu aurais dû l'écouter davantage. Non. Je fuyais, c'est vrai. Je me méfiais. J'ai bien fait. Pauvre idiot. Pas plus malin qu'un dodo. Et le Dantec te jetteront quand ils t'auront utilisé. Nous devons les punir. J'organise la faillite de leur domaine.
vas tuer papa. Il ne porte pas Paul Marie dans son cœur. Tu sais aussi bien que moi et t'en connais la raison. J'irai pas te voir en prison. Je ne m'enrichis pas. Le produit de la vente couvrira les dettes. Je fais juste mon boulot. J'équilibre les comptes à zéro. Venger grand-mère, c'est une raison suffisante pour foutre ta vie en l'air. Les blancs ne valent rien, c'est ce que répétait Shanna. Tu vas priver ton propre frère de son travail. Mais je me fais pas de soucis pour toi. Ce sera l'occasion d'exprimer ton vrai potentiel. Je suis heureux, moi. Ça t'obligera à grandir un peu, à aller voir ailleurs. Mais je veux reconstituer l'écosystème du dodo avec Alexis. Mais toi, on souffle sur la braise de ton imaginaire et ça s'embrase. Tu sais la plus grande différence entre nous? Moi, je sais rêver. Ne perds pas ton temps avec ces recherches extravagantes. Je peux pas te laisser faire. Réfléchis bien. Tu vas devoir choisir ton camp. Et comme ça, j'aurai une toute mes chances de sortir avec elle. Non, je parle de ton père. Ah. Désolé, je suis un peu obsessionnel quand une fille me plaît. Ouais, tu devrais aussi révéler ton identité à ma sœur. Ça te dérange que je lui fasse la cour sans lui dire qui je suis? C'est un petit mensonge, sans conséquence. Mais qui peut présumer du poids des mensonges? Son poids? Aussi léger qu'un battement d'aile de papillon. Tous nos actes ont des répercussions. Oh, et... c'est bien grave aujourd'hui. On parle pourtant que de désir et de séduction. Ah. Je pensais qu'on parlait d'obsession et de dissimulation. Plus elle me résiste, plus elle m'attire. J'ai jamais ressenti une attraction si forte. Bon, ne dis rien à Salonie si tu veux. Mais parle à ton père. À quoi bon, il m'a rié de sa vie? Et les photos qu'il cache dans son bureau? Des clichés jaunis. Non, des souvenirs. Il m'a oublié. Des souvenirs pieusement conservés. Il m'a abandonné, ce sale con. Mais ça t'avance à quoi de l'insulter? J'aurais dû écouter ma mère, ne jamais le revoir. Et si tu te faisais ta propre opinion? Bah, ça fait depuis longtemps. Tu te rends compte? Laisser son enfant s'éloigner, ne jamais chercher à le revoir, ne pas prendre de ses nouvelles. Vous êtes partis en douce, en pleine nuit, un avion à l'aube. Elle n'avait pas le choix. Elle t'a kidnappé. Pour nous protéger. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Qu'on était malheureux. Ta mère était malheureuse, certes. Mais toi, tu te souviens de quoi? On s'amusait bien. On passait nos journées dehors. Tu sais pas ce qui s'est passé entre eux. La colère dans tes yeux. Ça me rappelle le petit garçon que tu étais. Je suis plus un enfant. Ah ça, j'en suis pas si sûr. Tout ce que tu penses savoir à mon sujet, oublie-le. Plus de 20 ans, j'ai changé. Tu crois? L'insouciance est terminée. Alors, franchement, qu'est-ce que tu veux nous chercher ici? Aïe, Guillaume. On ne trouve que ce qu'on cherche, hein? Le dodo. Et si c'était de l'amour? Le sien? Peut-être. Bah qu'il le garde. À quoi tu joues? Tu vas le ruiner avec tes recherches, hein? Aujourd'hui, j'ai demandé une pelleteuse. Il a dit oui. Sois raisonnable. Toi, fais preuve d'un peu de tendresse. On atteindra plus facilement les couches sédimentaires. Prends le temps de le découvrir. Il n'y a rien à découvrir. Et tu parles avec lui? Tous les soirs, nous dînons d'un rougail ou d'un vindai sous la marangue. Nous mangeons vite, nous fuyons la conversation. Je lui fais un débrief de ma journée. Il me pose des questions sur mes recherches, sur la rentabilité, sur le financement. On dirait qu'il n'y a que le fric qui l'intéresse. Il est peut-être pudique. Et il s'intéresse pas du tout à toi. Un peu. Pour faire bonne figure au moment du café, il me pose quelques questions sur ma vie en France. Et tu lui réponds? Bah bien sûr que non. Gogo. Quoi? Mais c'est toi ou c'est lui qui fuyait la conversation? Hein? Est-ce qu'il n'y a rien à découvrir ou est-ce que c'est toi qui ne veux rien découvrir? Je veux terminer ma thèse et rentrer chez moi.
Saloni affirme que les comptes sont dans le rouge, hein. C'est normal qu'il s'en inquiète. Le cours du sucre est très bas, il a laissé son héritage en friche. Là où d'autres familles ont su faire fructifier leur fortune en diversifiant. Nombril du monde est à la dérive. Comme lui. Tu veux me faire pleurer? Tu pourrais supporter de perdre Nombril du monde? Non. Tu lui reproches votre séparation, mais... Pourquoi tu n'es pas revenu plus tôt, toi, s'il te manquait? Mais j'ai toujours gardé un lien secret avec vous. Je lisais tout sur le dodo. Je guettais n'importe quelle nouvelle de l'île. Je me précipitais sur les romans de Leclésio. J'ai même orienté mes études afin d'avoir un alibi pour revenir jusqu'ici. Tu réponds pas à ma question. Ma mère me l'aurait interdit. L'île Maurice, c'était tabou. Et j'avais peur. D'elle? Peur de l'aimer? Guillaume, tu sais même pas pourquoi ta mère est rentrée en France? T'as des infos? Peut-être. Eh ben, je t'écoute. Il serait peut-être temps que tu demandes à ta mère. Ou mieux, à ton père. Non, j'ai pas besoin de savoir. C'est bien dommage. Qu'est-ce que vous complotez? On débriefe la journée. Et alors? Pas terrible. Ah, si j'avais la santé de Melintan. On doit déterminer un autre périmètre de prospection. Toujours du côté de la mare aux illusions. On va finir par trouver. Je suis certain de mes recherches. Je suis reconnaissant, Alexis. Tu m'as ouvert les yeux sur la richesse de mon patrimoine naturel. Diospyros melanida. C'est un ébénier marbré. Nous allons résoudre nos problèmes financiers grâce à toi et à toutes ces merveilles. Nombril du monde est un biotope sensationnel. Une niche écologique. Un exemple de forêt primaire miraculeusement préservée des plantes invasives. Le bois de rat. Le bois d'ébène. Le bois de rainette. Et le bois de bœuf. Il y a de tout. Et que des espèces endémiques. Et une colonie de dodo? Oh, une colonie de squelettes fera notre affaire. Il ne reste plus qu'à débusquer ces sacrées drontes. Tu n'étais pas aussi entreprenant à ton âge. Ma mère gérait tout. Un vrai dictateur. Peu de place pour les initiatives. Et votre père? Ah, lui. C'était adolescent quand il nous a quittés. De toute façon, la famille, c'est de la merde. Quand on ne s'occupe pas suffisamment des siens, on finit seul comme moi, et crois-moi, ce n'est pas drôle. Est-ce que vous aimez les gâteaux napolitains? Moi, j'adore! C'est une petite gourmandise glacée au sucre rose, j'en revole. Tu m'en diras des nouvelles. Et un conseil pour vous, les garçons, savourez, tout se perd, même les recettes traditionnelles. C'est devenu de plus en plus compliqué d'en trouver. Et heureusement, j'ai Saloni, qui a réponse à tout. Et comme elle refuse de me dire où elle les achète, je suis condamné à reconduire son contrat d'année en année. Bien sûr. Le dimanche après la messe, ma mère m'envoyait toujours acheter des napolitains. C'est le triste privilège d'être fils unique. On est gavé de pâtisserie. J'ai été gâté par ma mère, moi aussi. On ne peut pas faire de meilleure utilisation de la confiture de goyave. Plus c'est rassis, mieux c'est. La recette idéale des colonies de jadis. Je vous laisse. Moi, je prends 4 pédales pourries, là, et je suis la pédale. Et ça sent le rendez-vous galant à planer où je ne m'y connais pas. Hein? Capable. Le frère et la sœur sont aussi mystérieux l'un que l'autre. On ne sait rien de leur vie privée. Est-ce que Saloni est votre maîtresse? Quelle drôle d'idée! Parfois vos yeux glissent sur elle. C'est difficile, je ne vais pas la regarder. Elle est sublime. J'ai 3 fois son âge. C'est la seule présence féminine de votre entourage, alors... Je suis un vieil ours. Mais elle trouve grâce à vos yeux. Elle me rappelle... ma jeunesse. C'est de la nostalgie, pas du désir. Je ne pense plus aux femmes depuis fort longtemps. Depuis quand? Trop longtemps. Et vous préférez vous complaire dans votre douleur? Dis donc, si
tu me parlais sur un autre ton. Je peux être assez direct parfois. Tu as vraiment une tête de Mauricien. Mais tu n'es vraiment pas Mauricien. Qu'est-ce qui me différencie? Tu dis ce que tu penses. Vous aimeriez en entendre davantage? Ça ne peut pas me faire de mal à mon âge. Laissez tomber. Je ne dors plus. Il ne me laisse pas sans surveillance. Toutes les nuits sous la varangue comme une vigie. Achik a parlé à nos parents. Je donnerai des instructions. Le sire d'art lui fera payer. C'est mon frère, il croit bien faire. Il est syndiqué, tu es au courant? Un rassemblement de travailleurs, pour qui se prennent-ils? Espérer un avenir meilleur, c'est légitime, non? Qu'il retourne en Inde, ils crèveront de faim. Et si je partais, moi aussi? Tu pourrais m'oublier? C'est toi ou ma famille? Je t'attends toutes les nuits jusqu'à l'aube. Je vis au rythme de l'espoir de te voir. Le désir est un triste compagnon de solitude. Désir? Je n'ai pas le droit à ce mot. Désir. Je vais t'enseigner ce mot. Décidément, ce sont toujours les maîtres qui apprennent aux engagés. Tu pourrais m'enseigner l'amour? Je serai bientôt la femme d'un autre. Je ne supporte pas cette idée. Prends ton destin en main. Je serai chassée. Haïe par les miens, je n'ai nulle part où aller. Épouse-moi. Ne te moque pas. Épouse-moi. Donne-toi à moi. Et que diront les tiens? Et madame? J'en peux plus d'obéir à ma mère. Nous partirons en Europe. Avec quel argent? J'en fais mon affaire. Tu es fou. Je te désire. Sois mienne. Je le veux. Pour sceller nos deux vies. Nous avons droit, nous aussi, au bonheur. Personne d'autre voudra me toucher à présent. Mon amour.
Non. Si. Voilà, enfin sur les traces du dodo. Comme quand on était gamin. On le tient. On le tient. Oh non, il dit que tu as déterré le premier ressemblant. Eh, mais c'est notre découverte à tous les deux. Ton destin va s'accomplir à l'île Maurice. Et dire qu'il m'a fallu toutes ces années pour revenir jusqu'ici. Et tu es là maintenant, c'est tout ce qui compte. Eh, je me sens épuisé. Et c'est le moment de redoubler d'efforts, hein. On y est presque. Et quand je pense que ma mère, c'est même pas que je suis ici avec mon paternel. Je peux même pas partager ça avec elle. Elle sera fière de toi. Ou furieuse. J'aimerais tellement m'allonger à côté d'elle, m'endormir, et sentir sa main qui me caresse le front. Ferme les yeux. Je peux te caresser le front, moi, si tu veux. Hé, hey, c'est gentil, mais ça aura pas le même effet. Non. Et tu crois pas qu'il faudrait commencer les démarches administratives, là, pour protéger le terrain? Mais si, le déclarer inconstructible ou classé au patrimoine mondial de l'humanité. T'emballes pas. Oui. On est sur une propriété privée, il n'y a rien qui menace les marauds illusions pour l'instant. Oui, à Maurice, deux précautions valent mieux qu'une. Hein. Oui, bah soyons discrets. Et réservons-nous ce petit paradis perdu pendant un moment. Sinon, les recherches pourraient nous échapper, et surtout... Surtout? Bon, on est bien, là, non? Tous ensemble. Toi, moi, mon paternel, ta sœur. Ma sœur. Ma sœur te vous voit encore, hein? Oui, casse la joue farouche, mais elle est faible pour moi, je le sens. Oui, si tu le dis. Non, parce que elle... Il faut que je te parle. Je t'écoute. Elle... Ne me dites pas que c'est... L'os du dodo, un fémur, plus exactement. J'en reviens pas, mais... J'en reviens pas, t'avais raison. Vous avez bien fait d'investir. Maintenant, faut aller plus vite, plus loin. Je n'ai plus beaucoup d'argent disponible. C'est la fin de nos ennuis. Attends, j'en vois. Quel pessimisme. Je ne supporte pas les déceptions. Et moi, je veux croire en ma bonne étoile. D'ailleurs, je vais aller chercher du champagne pour ce soir. Vous, sortir en ville. Et pourquoi pas. Il va neiger sur Peterborough. On skiera enfin à l'île Maurice. Mais... Il faut être réactif. J'ai plusieurs touches. Un collectionneur privé à Londres, un autre au Japon. Il faut être réactif. Quand les pouvoirs publics découvriront ce qui se passe ici, on pourra plus spéculer. C'est un risque à prendre, mais je vous assure que la mise sera triplée, voire quadruplée. Saloni, dresse-nous la liste des terrains encore hypothécables. Mais... C'est là qu'on va voir si tes talents de gestionnaire sont utiles. Chacun aura son rôle. On va redresser la barre, Moussaillon. Eh, vous croyez pas si bien dire? Moi, j'ai une autre bonne surprise. Tada! Rent. Bah ouais, c'est magnifique, non? Un petit joyau du monde végétal. Bon, la plante reste à identifier, mais c'est pas une espèce courante. Je la classerai dans le genre Sideroxylon, comme le tombalacoque. C'est peut-être une découverte significative. On jouait avec ça quand on était gamin. Aux billes. Quoi? Et tu sais où en trouver? Non, on a abattu l'arbre il y a bien longtemps. Pour fabriquer un poulailler. Voyons, oh, quel sacrilège. Mais moi, je donnerais tout pour trouver un spécimen vivant. Ça a de la valeur? Financièrement, peut-être pas. Mais scientifiquement, ce sera peut-être un élément central de ma thèse. La découverte d'une nouvelle espèce de plante, je la baptiserai Sideroxylon salonium. En ton honneur. Je suis flatté, ouais, mais... Ouais, j'en suis sûr. Allez. Moi, faut que je filme changer, je descends à Port-Louis. Faut que j'aille chercher du matériel de conservation pour les retrouvailles plus fragiles. On est enfin tombé sur un véritable sanctuaire. C'est fantastique. Une merveille. C'est la première fois que je peux en toucher un. Comme un trésor longtemps protégé dans le ventre de nombril du monde. Mon arrière-grand-père qui adorait les légendes prétendait que son propre arrière-grand-père était le dernier homme à avoir mangé du dodo. C'est pas plausible, c'est une belle histoire. Un mois de recherche. Moi, je commence à comprendre l'excitation du chercheur d'or. Hein. Les Indiens du campement dormaient sur notre fortune.
protéger l'héritage. Tu auras ta part. Tu participes aux fouilles, tu t'investis, j'apprécie, tu auras ta part. La fidélité de votre famille est une richesse. Tu auras ta part, toi aussi, Saloni. Tu es ma famille. Vous êtes ma famille. J'aimerais bien lire mon nom dans la presse. On ne t'oubliera pas. Mais en attendant, il ne faut rien dire, le gouvernement mettrait son nez dans nos affaires. Vous comptez vraiment vendre les ossements? C'est une possibilité. Est-ce que tu crois qu'on pourra vraiment reconstituer intégralement un squelette? Et on a une colonie de dodos à portée de main. Le commerce, c'est bien. Mais le petit doit prendre le temps de penser à ses recherches. Il doit examiner les fossiles pour faire valider le sujet de sa thèse. Il pourra étudier. Pendant que vous, vous négocierez avec les acheteurs. Sa présence ramène de la vie. Il me touche. Je vais profiter de la voiture d'Alexis pour aller faire un tour en ville. À plus tard. Et Alexis n'est pas un escroc, hein. On en a la preuve désormais. Et le petit trafic de squelettes qu'ils veulent mettre en place? Il faut bien financer les recherches. Si tu crois que je vais laisser faire. Tu es sérieuse? Je ne laisserai pas spoiler notre gouvernement. Alexis ne s'intéresse qu'à la beauté de la science. Et c'est encore les Blancs qui vont s'enrichir. Tu connais pas quelques Indiens très fortunés et très magouilleurs, là, récemment? Ne te mets pas en travers de ma route. En exhumant ce dodo? En redonnant le goût de la vie à Paul-Marie. Je n'ai pas envie qu'il remette son nez dans les comptes. Te voilà prise à ton propre piège. J'aurais même pas besoin de te dénoncer. Tu trahirais ta sœur. Mais ta vengeance n'a aucun sens pour moi. Par respect pour la mémoire de Shanna, laisse-moi régler les comptes avec le dernier Ledantec. Et si son fils revenait et reprenait les choses en main? T'es comme le vieux, tu rêves de son retour en douce? C'était mon ami. On verra débarquer le jour de l'ouverture du testament. Il n'y aura plus rien, que des malles remplies de vieilles archives. Ça sera son seul héritage. Avec la mare aux illusions, Paul-Marie va se refaire une santé financière. C'est fou, c'est un gouffre. Ça ne fait que précipiter le désastre. On a déjà un os. S'il le faut, j'enverrai Paul-Marie en prison pour contrebande. Tu le hais à ce point? Il doit payer. Payer? Pourquoi? Pour qui? Pourquoi Paul-Marie ou son fils devraient-ils être tenus responsables des actes de leurs ancêtres? Paul-Marie ne vaut pas mieux que ses aïeux. Ce sera son fils, il viendra sans doute jamais. Imaginons, hein? Imaginons qu'Alexis soit le fils perdu des Ledantec. Hein? Bon, c'est un jeune homme amical, il respecte les Indiens. Ça te ferait pas changer d'avis sur toute la famille? Ce n'est bien qu'une hypothèse. Évidemment. Tu en es certain? Non, définitivement. Alors laisse-moi faire. Je te laisserai pas t'en prendre à Paul-Marie. Pense à Chic, ton grand-oncle. Qu'il repose en paix. Mais ce sera pas le cas tant qu'on n'aura pas trouvé son corps. Tu as été baptisé à Jvin en son honneur. Grand-mère s'est battue avec maman pour ce prénom. C'est le père de Paul-Marie qui l'a assassiné. On n'en sait rien. L'affaire a été étouffée. Il est peut-être tout simplement retourné en Inde. Charles Ledantec est un assassin. Mais personne n'en a jamais reparlé depuis. Enfin, c'est quand même un peu énorme, non? Mais dans l'intérêt des deux familles, on a voulu effacer son existence. Et si Shanna avait tout inventé, hein? Son frère, le meurtre, si c'était les délires d'une vieille femme, là? J'étais témoin de sa tristesse. Sa douleur n'était pas feinte. Oui, mais dans toutes les familles mauriciennes, on s'invente des légendes, hein, pour rendre le passé moins banal. Elle parlait d'Achik sans arrêt. Elle n'a jamais oublié son frère. Quand il y a du vent dans les filles là-haut, c'est sa voix que j'entends. Quand je vois refleurir le flamboyant, c'est sa renaissance que j'espère. Il est en moi. Il me guide. C'est moi le rêveur.
Charles Dantec a déshonoré Shanna. Ashik a voulu laver la honte de la famille. Je dois la venger. Je dois les venger. Un viol ? Tu m'as jamais parlé d'un viol. J'en suis persuadée. Même si grand-mère n'a jamais voulu me dire davantage. Mais pourtant, la femme de Charles a offert un terrain à Shanna, juste à la frontière de Nombril du Monde. Pour acheter son silence. Ça ne tient pas debout. Les Le Dantec avaient suffisamment d'argent pour éloigner Shanna. Mais grand-mère ne voulait pas partir. Et pour quelle raison? Qui voudrait passer toute sa vie avec son bourreau sous les yeux? C'est tout ce que je sais. Ça ne me suffit pas. Ça ne justifie pas tes actes. Continuez de creuser. Continuez, vous déterrez bien un cadavre. Ça sera la dépouille d'Ashik. Ce seront les ossements de l'un des tiens. Saloni, si tu n'assainis pas la comptabilité, je serai obligé de parler à Paul-Marie. Tu me menaces ? Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Toi et moi, on va signer un accord. Tu ne lui dis rien à mon sujet, et je passe sous silence leurs agissements illégaux. J'aurais jamais cru qu'un jour tu me ferais du chantage. Navré. Tu me déçois. Tout est dit ? Rejoignez-moi si vous êtes un homme. Tu oses? Et vous? Vous avez toutes les audaces. Vous faites comme si tout vous était permis. Ma sœur! C'est de l'amour. Vous nous avez toujours menti. Nous avez attiré sur cette île avec de belles paroles. Le paradis. Le miel qui coule dans vos rivières. Prospérez, retournez au pays. Et nous trimons sur cette terre infernale. À votre merci. Aujourd'hui encore, vous mentez pour obtenir ce que vous voulez. Toujours le mensonge. Retourne te coucher. Je vais faire comme si je ne t'avais pas vu. Je sais tout, vous l'attendez. Elle ne viendra pas. Elle ne viendra plus. Je suis le maître. Toutes les nuits, vous la prenez sous la parangue. Vous lui volez son honneur. Notre honneur. C'est votre pute. Et votre père, il ne dit rien.
Et votre mère? Je serai un jour le propriétaire de cet endroit. Mais vous ne l'épouserez jamais! Vous le savez très bien. Pourtant, c'est ce que vous prétendez. C'est ce qu'elle croit. Les yeux dans les yeux! Entre hommes, c'est moins facile de mentir. J'en ferai mon épouse. Votre tour se fait plus hésitant. Faites-moi le fier. Ça ne durcit plus entre vos cuisses. Tu oublies à qui tu parles. Je t'attends. Vous êtes plus fort quand il s'agit d'utiliser les mots, monsieur. Tu prends de gros risques en m'affrontant. Vous avez tous les droits, c'est vrai. Mais avec le syndicat, on va faire bouger tout ça. On va le mater, ton syndicat. Sans nos bras dans les champs, hein, comment ils tourneront vos usines? Insolent! On dit que vous allez épouser la cadette de la famille Lespinasse. Elle est laide. Mais sa dot doit suffire à la rendre attirante. J'aime, Shanna. Achik. Fais attention qu'il ne fasse pas tomber ta serviette. Ça te gênerait? Ça m'ennuierait. T'as mis un mois à me tutoyer. Il faudra combien de temps pour te faire sourire? Hé, je suis beau garçon. Tu l'as remarqué au moins. Tellement beau que tu te sens obligé de le préciser. Pourquoi est-ce que tu ne me laisses aucune chance? Je peux voir tes diplômes? Et moi les tiens? Jusqu'à preuve du contraire, cette propriété est bien gérée. Pourtant, les affaires ne sont pas très florissantes, à ce qu'on m'a dit. Ta venue précisément chez nous me semble suspecte. De nombreuses découvertes relèvent d'une intuition. Tu as mis le doigt sur la carte de l'île au hasard en murmurant le mot « dodo ». Et si le destin avait voulu me conduire à toi? Tu laisses parfois les hommes t'approcher? Pas les blancs, en tout cas. Ah, c'est du racisme. De la méfiance. Dictée par l'expérience. J'aimerais vraiment prendre un verre avec toi. Je n'ai pas de temps à perdre. Ah, on ne possède pas le temps. On ne peut donc pas le perdre. Vous passez des heures à creuser le sol pour déterrer des squelettes. C'est pourtant une perte de temps. T'as peur de ce que je peux découvrir? Je suis sceptique sur l'intérêt de ces reliques. Un animal disparu. Tu pourrais bien réveiller d'autres esprits. T'es superstitieuse? Il y a des gens qui ont souffert près de la mare aux illusions. Tu veux pas les laisser reposer en paix? C'est la science qui me guide. Et le goût de l'histoire, votre histoire, ton histoire. Mon histoire se confond avec celle de nombril du monde. Ma famille vit dans l'ombre de cette bâtisse depuis plus de 100 ans. Jamais je regarderai un homme blanc sans penser à la manière dont ses ancêtres ont traité les miens.
Il n'y a pas que des tortionnaires chez les Ludothèques. Et qu'est-ce que t'en sais? J'imagine. J'observe Paul-Marie. Tu ne vois rien. Mais moi, je ne suis pas l'un d'entre eux. Comme tous les petits occidentaux d'aujourd'hui, tu réécris l'histoire. Tu condamnes l'esclavagisme et l'engagisme. Tu jures que t'aurais bien traité les Indiens. Que tu ne les aurais pas relégués dans des recoins insalubres. T'es belle quand tu t'énerves. Oui. Ne me regarde pas, tu n'existes pas pour moi. On va dénicher toute la famille des Rafus Cuculatus. Peut-être qu'on trouvera un œuf, un embryon, de l'ADN pour recréer l'espèce. Je sais que c'est qu'une question de temps, une course contre la montre avant la faillite, avant de perdre la mare aux illusions. As-tu une acarté ? Non, je voulais déterminer les vrais besoins en capitaux pour redresser la barre. J'ai mis le nez dans les comptes, ton frère a cafeté. A eu peur. Tu sais depuis quand? Hier matin. Tu n'as pas l'air de paniquer? Non, c'est pas dans ma nature. Et j'aurai bientôt reconstitué un premier squelette. Je vais pouvoir contrecarrer tes projets. Tant mieux alors. Et toi? Tu paniques? On ne peut m'accuser d'aucune malversation. Mais tu as conduit Paul-Marie droit sur les récifs. Nous sommes proches du naufrage. C'est exact, Guillaume. Ah. Nous n'avons plus besoin de faire les présentations. Moi aussi, j'ai mis le nez dans tes affaires. Tu n'avais pas bien caché ton passeport. Qu'est-ce que tu proposes? Le statu quo. Tu ne révèles pas ton identité à ton père. Et je laisse sombrer Nombril du Monde? Tu trouves que c'est un marché équitable? Je sais ce que vous comptez faire des squelettes. Je peux aussi me taire sur ce point. Du chantage. Une tractation. Et si je te dénonce? Je ne suis coupable de rien, sauf de négligence. En cherchant bien, on finira par débusquer un détournement de fonds, un conflit d'intérêts. Même pas. Par contre, si j'attire l'attention des douanes sur votre petit commerce... Il n'y a encore eu aucune transaction. Nous hésitons. Moi, j'hésiterai pas. Je veux que les Ludothèques tirent un trait sur cette propriété. Je veux garder la mare aux illusions. Conserver cette parcelle pour mes recherches. C'est négociable. Je ne comprends pas. Mon père t'adore. Ça nous dépasse, Guillaume. Et le tien de père? Il sera fier de toi? Il était très heureux de s'éloigner de Nombril du Monde. Pour quelle raison? Demande à ton père. Alors, entre nos deux familles, la haine se transmet de génération en génération. Ashvin, t'as parlé du meurtre? J'ai du mal à y croire. On n'obtiendra jamais la vérité de votre bouche, évidemment. Mais quelle vérité? Moi, j'ai grandi en France, c'est pas mon histoire. Tu es un Ludothèque comme je suis une Kapour. C'est héréditaire, le nom comme les crimes. Je refuse l'héritage. Est-ce qu'on a le choix? On ne peut pas réécrire le passé. Mais à chacun d'écrire son présent. Je choisis d'écrire autrement l'histoire de nos deux familles. D'ailleurs, je devrais être furieux après toi. Et je ne le suis pas. Tu me plais tellement que j'arrive à te pardonner, à comprendre ce que t'as voulu faire. N'en demande pas tant. Ne m'approche pas. Bah, tu crains rien. Ne me touche pas. Je te fais peur. Je ne veux rien avoir à faire avec ce tarasse. Mais pour qui tu me prends? Pour un Ludothèque qui ça me donne la nausée. Et pourtant nos peaux s'attirent. Je t'attire. T'as la chair de poule quand je te frôle. Tu me cherches les yeux quand je m'enfonce dans la forêt. Je cherche ton odeur partout dans toute la maison. Tes cheveux sont si doux. Sente si bon. Ta peau. Je désire ta peau. Dis-moi que je suis pas le seul à ressentir ce que je ressens. Peu importe, je ne veux pas toi. Tu veux que justice soit faite, moi aussi, je suis de ton côté. Demain, j'interrogerai mon père. S'il sait, il ne dira rien. Et je vais creuser. Je vais creuser jusqu'à trouver le cadavre de ton grand-oncle. Tu ferais ça? Et encore bien davantage pour toi. Tu serais prêt à salir la mémoire de ta famille? Si mon grand-père est coupable, oui. Mais en échange, sauve ce qui peut encore être sauvé. Sans injecter de nouveaux capitaux, je suis pieds et poings liés. Gagne du temps. Laisse-moi le temps de réaliser mon rêve et je sauverai Nombril du Monde. Et si tu me mènes en bateau? Je t'aime trop pour te mentir. Tu m'aimes? Et je te le prouverai. On dira rien, mon paternel. Je veux pas lui faire de peine.
Pourquoi tu es si gentil? Je te protège. Pour pas que ton papa se sente trahi? Non, pour te laisser le temps de tomber amoureuse de moi. T'es vraiment un sale petit blanc prétentieux. Oh, et toi une pauvre petite garce sans scrupules. Mais qu'est-ce que t'es belle quand tu souris? Je vais appeler la banque. Je vais voir ce que je peux faire. Je te déteste. Moi aussi. Stéphanie est rayonnante. Je lui fais de l'effet, on dirait. Mm. Un jour, on rencontre une femme et on sait. Et pour maman, tu savais? C'est drôle quand tu l'as pas retenu. Ah oui, je suis ton fils. T'avais des soupçons, non? Non? Tu réponds rien? Je t'ai reconnu tout de suite. Menteur. Ce serait tellement plus simple de me croire. Croire que j'ai un père, ce ne serait qu'une illusion de plus. Il y a un dodo, tu l'as trouvé. Ton père existe aussi. Est-ce que tu le cherches? Et toi? Est-ce que tu m'as cherché pendant 20 ans? La douleur, l'orgueil ont fait de grandes conneries quand on souffre. Et tu es mon fils. T'en es pas douté une seule seconde. Crois-tu que j'aurais donné de l'argent à un inconnu pour courir après une telle chimère? Ce n'est pas une chimère! Effectivement, tu me l'as prouvé. Mais je t'aurais aidé, même si tu m'avais proposé d'aller décrocher la lune. Je veux pas être ton fils! Pourquoi tu n'es pas revenu plus tôt? J'attendais un signe de toi! Vous m'aviez abandonné! Putain, j'y arrive même pas! Vas-y. Mais je m'en fous de soulager ta conscience! C'est toi qui m'as abandonné, n'inverse pas les rôles! Un enfant de 5 ans ne prend pas ce genre de décision! Tu te rends compte que tu m'as coupé les ailes? J'avais besoin d'un père, comme tout le monde, comme ceux qui croient en moi! Tu t'imagines que c'est facile de devenir père? D'être père. Crois-tu que j'ai su comment m'y prendre? J'ai fait comme j'ai pu, médiocrement. Au moins j'ai essayé. Et puis je n'avais pas la force de vous courir après, de faire un procès pour te récupérer. Je n'aurais pas su comment t'éduquer. Je me sentais nul. Je me sens nul. C'est ce qu'elle disait de moi, non? Nul. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Que t'es un monstre! Quand j'ai croisé le regard d'Isabelle, sa beauté m'a sauté aux yeux. C'était à une soirée de l'ambassade de France. Le coup de foudre? Non. Il fallait que je me marie. Sortait avec une femme, c'était une liaison inacceptable. Toute la bonne société en parlait. Ça devenait ridicule. Pour ma mère, c'était intenable et il fallait trouver une solution. Et puis... Et puis? Puis elle était malade et elle voulait voir ses petits-enfants avant de mourir. J'ai demandé à ta maman de m'épouser très rapidement, sans la connaître. Elle était hôtesse de l'air. J'avais peur qu'elle reparte en France. Je lui ai promis monts et merveilles. La peau! J'étais amoureux fou d'une indienne. L'épouser était impensable. Ma mère s'y opposait formellement et, avec ma réputation, aucune fille blanche de l'île n'aurait accepté une alliance. Ça aurait pu marcher avec Isabelle. Et l'indienne? Elle s'est mariée, elle aussi. Nous avons arrêté de nous fréquenter. Elle a eu un garçon et... quelques années plus tard, tu es né. Et? J'ai essayé d'oublier, de nous rendre heureux. Mais évidemment, vous êtes revus. Elle travaillait à Nombril du Monde. Quand nous nous trouvions dans la même pièce, mon cœur s'emballait. Et finalement, tu as trompé maman. Nous ne pouvions pas résister. Tu lui as menti. Tu l'avais fait rêver. C'était que de la poussière. De la poussière d'étoiles. Tout un mensonge, tu ne l'aimais pas.
Tous les hommes de cette famille ont échoué à aimer. Et moi, et là, c'est ton fils. Et toi, tu vas réussir ta vie. Ouais, j'y compte bien. Ne fais pas de concessions. Suis ton instinct. Tu me donnes des conseils ? Et toi, pourquoi t'as pas essayé de corriger tes erreurs ? De retrouver ta maîtresse ? Elle avait un mari qui l'adorait. Des enfants. Et puis elle est tombée malade. Un cancer. Son mari s'occupait d'elle, je ne pouvais plus l'approcher. Tu me parles de la mère d'Ashvin et de Saloni ? C'est pour ça que tu les protèges ? J'honore la mémoire de mon amour perdu. Oh putain. Hé, t'es pas leur père au moins ? Définitivement non. Seulement leur protecteur. Eh bien, le destin te réserve une belle surprise. Saloni est en train de couler Nombril du Monde. Ah, tu le sais ? Oh putain ! Sa famille a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert. Mais t'es complètement cinglé ! Je n'avais aucune perspective d'avenir avant que tu reviennes. Mais tu vas redresser le navire. Tu vas renflouer notre patrimoine. Papa ! C'est la première fois que tu m'appelles papa. Papa, tu me désespères. La mère de Saloni et d'Ashvin était ta maîtresse. Qu'est-ce que tu sais de leur grand-mère, de Shana ? C'est quoi cette histoire de mort ? T'es au courant ? Le passé doit rester le passé. Est-ce que mon grand-père a tué un des Kapoor ? Ce sont de vieilles histoires. J'ai besoin de savoir. Nous ne leur devons plus rien. Si, la vérité. On leur a donné des terres, du travail. Et ça suffit ? Je ne veux pas salir la mémoire de mon père. Tu sais quoi ? On va débusquer tous les drondes. On va devenir riches et célèbres. Et on reprendra chacun le cours de nos existences. Je suis fier de toi. Non, mais je m'en fous ! Je veux pas de ta reconnaissance ! Toi et moi, on n'a rien à faire ensemble. Cet amour comme t'as étouffé la disparition de mon frère. Tu disais m'aimer. Tu m'aimes ? Je pense à toi jour et nuit. Tu n'as rien fait pour me revoir. La situation est explosive. Tu l'as tué ? Tu as tué mon frère ? Qu'est-ce qu'on t'a raconté ? Justement, on m'a rien raconté. Ça fait beaucoup de bruit, le silence. Tu pleures ? Achik était hors de lui. Il m'a surprise quand je venais te rejoindre. Je sais qu'il est venu te trouver à ma place. Depuis le silence, son absence, ma mère est folle d'inquiétude. Même le sire d'Ars se tait. Pourquoi ? Pourquoi ? On dit que le syndicat a monté la tête d'Achik, qu'il a déserté la plantation. Je sais, moi, qu'il est venu te rejoindre après m'avoir battu. Pour l'instant, j'ai rien dit à personne. J'ai peur. Peur de ce que tu as fait. Raconte-moi ce qui s'est passé.
Je ne l'ai pas vue. Tu es donc capable de me mentir? C'était un accident. Je ne reverrai plus jamais mon frère. Ne me dénonce pas. Par amour, tais-toi. Qui est au courant? Ta mère? J'ai envie de vomir. Évidemment, elle est au courant, elle sait toujours tout. Elle te protège? Tout le monde te protège. Je ne veux pas qu'ils s'en prennent à toi. Ne parle pas et le silence sera la meilleure des armures. Un silence qui crie. Qui crie sans bruit. Mon destin est donc d'être bâillonné. Tu prétendais m'offrir la liberté. Nous sommes tous enchaînés. Espèce de lâche. Frappe-moi. Assassin, ne soulage même pas. Assassin. Et pourtant je t'aime. Meurtrier. Et je l'aimerai toujours. Je vais me marier. Mais tu n'oublies à quel point tu m'as fait souffrir. Yeah, 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 yeah. Réaliser mon rêve. Et... Oui, pourquoi tu n'as pas l'air heureux? Parce que j'ai plus d'objectifs. Et ta thèse? J'ai toujours pas reçu l'aval de mon directeur de recherche. Oui, mais quand il verra le dodo et la graine? Non. Pour sauver Nombril du monde de la banqueroute, je peux pas attirer l'attention de la communauté scientifique. Et sans ces preuves, aucun scientifique ne serait prêt à croire à mes théories. Je passerai pour un rêveur. Moi, j'aime rêver. J'ai grandi avec un dodo dans la tête. Avec des champs de canne à sucre dans la tête. J'ai traversé la vie dans un monde imaginaire. J'avais peur de retrouver mon père. Et qu'il ressemble à ce que ma mère en disait. Nombril du monde n'était qu'un fantasme. Et le fantasme t'a déçu? Tu aimes cet endroit? À vous! Je peux pas te décrire cette sensation. C'est ancré au plus profond de mon être. Je suis là, ici, chez moi, et mon paternel. Bah, tu t'es attaché à lui. Il m'encourage enfin. Il croit en moi. Il revit. Putain, j'ai envie de chialer comme un gosse quand je parle de lui. Et si tu lui disais ce que tu ressens? Non. Non. Rien de presse. La vente du fossile va renflouer les caisses de Nombril du monde. Je vais rester poursuivre mes recherches. Et je lui parlerai un jour. Ou un autre. 20 ans déjà. On regrette toujours de ne pas avoir parlé plus tôt. L'amour se savoure dans l'instant présent. On ne peut pas faire de réserve pour plus tard. Attendre? Attendre, c'est tout perdre. T'es au courant pour ta mère et mon père?
Ah, Tom Philippe, on pose question. Quoi? Mais oui. J'avais 10 ans, je les ai surpris dans les ruines du kiosque à musique. Quoi? Tout le monde savait? Oui, mais tout le monde sait toujours toi, Maurice. Moi, maman ne m'en a jamais parlé. Hé, nos pères ont failli en venir aux mains. Ouf. Et puis, ma mère a eu son cancer et mon père l'a éloigné d'ici, et voilà. Paul-Marie n'a pas osé vivre son amour au grand jour. Non, sorry, mais... Et dire que toi, tu tournes autour de ma sœur Et toi? T'es amoureux? Moi? Ouais, tu vas bien rire. C'est une peau métissée. Non, une peau blanche. Ah, touché, coulé, c'est une peau blanche. C'est la raison de tous ces mystères? Pas seulement. Allez, ne me pose pas de questions. Dans ma famille, ma liaison ne serait pas très bien vue et... Sur cette foutue île-là, c'est encore un peu tabou. Hein. Ah! Ok. Ah bah écoute, moi tu me présentes quand tu veux. Hein. Faut vivre pour toi, mon grand, pas pour ton père. Défends ton amour. Lutte. Grand-mère s'est battue pour être libre. T'as les larmes aux yeux, je supporte pas de te voir pleurer. Je ne pleure pas. C'est de la colère. Contre Shanna? Oui, contre Shanna. Contre ceux qui ont causé son malheur. Contre les préjugés. Contre le silence qui protège les meurtriers. Dans notre famille, comme dans la vôtre, nous prenons le parti du silence. Nous en payons le prix fort. Je suis fatigué d'avoir des dettes. Dis-nous tout ce que tu sais. Je sais que tu es mon fils et que je t'aime. Et tu as les larmes aux yeux, je ne supporte pas de te voir pleurer. Mais non, mais je pleure pas. J'ai de la colère. Contre ton père? Contre mon père, contre moi, contre ma mère, contre le silence. Le silence. Est-ce le lien qui unit nos deux familles? Ou bien l'amour? Ou bien la haine? Faudrait le demander aux absents. Pourquoi parler des morts? Pourquoi taquiner leurs esprits? Parce qu'ils sont sous nos pieds. Parce qu'ils sont dans l'air, dans la terre, dans l'eau. Et ils ne nous lâchent pas. Ils sont présents. Ils sont à côté de nous et parmi nous. Ils nous tiennent fortement par la main. Et nous marchons aveuglément dans leurs pas. Le corps de votre grand-oncle est enterré sous la barangue. Durant toutes ces années, les deux dentèques l'ont piétiné. Durant toutes ces années, les deux dentèques ont gardé un lien invisible avec leur malédiction. Il est temps que cela cesse. Demain, je creuserai sous la barangue. Et je trouverai la dépouille d'Achik. Mon père, avant de se suicider, m'a laissé une longue lettre où il raconte son amour de Shanna. Pour qu'elle te revienne, Guillaume. Non, c'est pour vous. C'est pour toi. Vous en ferez ce que vous voudrez. Je veux cacher qu'il y a une cérémonie d'adieu. Nous allons enfin lui permettre de partir. Que toutes les boucles soient bouclées, c'est bien.
maison d'Achik. Les coupeurs sont entrés en grève. Le conflit s'est étendu de propriété en propriété. Un embrasement. On ne s'est plus intéressé à moi. Ma chance. Je portais l'enfant de Charles. Mon abdomen de femme grosse était la honte de ma famille. Mon père m'a frappé le ventre avec des feuilles de vaquois. On me donnait pas à manger pour deux. Lorsque je l'ai perdu, j'ai enterré le fœtus près de Nombril du Monde. Près de Charles. Dans son ombre. J'espérais qu'il me revienne. Il s'est donné la mort. J'ai tout perdu. Mes larmes brûlent les yeux à force de les retenir. Mes larmes, ce sont des gouttes incandescentes qui viennent laver mon visage et s'évanouir sur mes lèvres pour l'éclore à jamais. Ils ont voulu m'exiler. Je suis revenue. Près de l'âme sans corps de mon frère. Près du corps sans âme de Charles. Près du fruit pourri de notre amour. La terre d'ici, c'est mon histoire. C'est notre histoire. Définitivement. Regarde ça. La mare aux illusions n'a pas encore révélé tous ses secrets. La graine mystérieuse. Sideroxylon, salonium. Peut-être la clé de l'écosystème du dodo. La source d'un futur médicament. Tout est possible. Danse avec moi. Danser au milieu de la nuit. Faut danser avec l'instant présent pour que le passé et le futur n'aient plus d'importance. Thank you.
un public debout, c'est très fort. Merci beaucoup. Donc, Norbert Planer était aux percussions en live. Richard Beaujean a composé toute la musique qui était enregistrée. Et le morceau En bas la varangue, qui est vraiment les paroles sont magnifiques. Écoutez cette chanson. Et je vais appeler l'auteur, metteur en scène et producteur de ce spectacle, Christophe Botti. Ouais. D'abord vous tous, je vous remercie d'être venus ce soir pour cette première, mais asseyez-vous. Merci beaucoup d'être venus ce soir, c'est très important pour moi de rencontrer le public mauricien. Vous avez sûrement lu l'histoire dans les journaux depuis un mois. Je suis un petit français parisien qui à l'âge de 10 ans a découvert l'île Maurice à cause du dodo, grâce au dodo, qui ne connaissait pas le pays, qui a rêvé en collectionnant les timbres de l'île Maurice de ce pays, qui s'est mis à lire Le Clésio et Le Chercheur d'or, qui ensuite a lu tous vos romanciers mauriciens pendant toute sa vie. À l'âge de 18 ans, je suis venu une première fois en vacances grâce à mes parents qui ont refait le voyage ce soir pour ce spectacle. Et c'est l'anniversaire de ma maman. Il y a quelques années, je suis revenu plusieurs fois en voyage et j'ai eu envie d'écrire cette histoire de Sous la varangue. J'espère que je ne vous ai pas trahi, j'espère que je vous fais honneur et j'espère que les Parisiens et les Lyonnais qui vont découvrir ce spectacle dans quelques semaines auront envie, comme moi, de découvrir votre pays profondément, intimement, avec passion. Tout cela n'aurait pas vu le jour sans beaucoup de monde. Alors je vais essayer de le dire rapidement, mais je voudrais déjà remercier mon équipe. Pour la musique, et puis Elodie et Rita qui ont tant fait pour nous aider. Mes quatre comédiens mauriciens, en fait toute l'équipe artistique est mauricienne, donc c'est ça qui est merveilleux aussi dans cette aventure pour moi. Donc ces quatre comédiens mauriciens, David Furlong, d'avoir été une chana monstrueuse pour vous à l'île Maurice. Je vais garder une personne qui est assise là pour la fin. C'est toi, Jacques. Je tue le suspense, mais tu seras le dernier à être cité. Merci beaucoup à Jamil et à Omnibox pour les lumières et toute son équipe et le son. C'était vraiment super. À Kensley Soudou qui est venu nous aider pour les costumes. Merci à Nathalie Koenig qui a réparé le dodo qui s'était cassé dans l'avion. Merci à mon équipe française, à mon frère jumeau Stéphane Botti, à Marek Nurzinski, à Dimitri Schaff pour la marionnette. Merci. Merci à Patrick Atto, un chorégraphe mauricien qui m'a donné un petit coup d'œil bien sympathique. Merci. Merci à Nicolas Ritter qui m'a présenté beaucoup de monde. Merci à ceux qui ont vendu les places, Papyrus, l'Atelier, Le Cygne, le CCEF. Ouais. Merci beaucoup du fond du cœur au groupe Le Mauricien et en particulier à l'équipe de Weekendscope qui ont vraiment suivi la pièce. Merci. Merci à la compagnie Motorcou et à JR Voyage. Merci à la MBSC qui est là ce soir pour faire du spectacle, ce qui permettra, je pense, à plein de Mauriciens qui ne peuvent pas venir de le voir à la télévision, et ça, c'est très bien. Merci. C'est presque fini.
je remercie les Français qui vont nous accueillir dans quelques semaines, en particulier la mairie de Villeneuve-la-Garenne. Le 20e théâtre à Paris et le magnifique musée des Confluences à Lyon. Donc si vous avez de la famille en France, voilà, je remercie mon éditrice Monique de Montrémy. Et pour finir, je remercie du fond du cœur toute l'équipe d'Eureka parce qu'ils m'ont accueilli en résidence pendant 5 semaines. J'ai été logé, j'ai été nourri, j'ai eu un lieu magnifique pour répéter, j'ai un lieu splendide pour les représentations. Quand j'ai lu Le Chercheur d'or, je ne savais pas qu'un jour je ferais cette représentation dans cette maison. Et c'est juste magnifique. Donc merci à toute l'équipe, à Nourmila, à Minta, à Ritisha, à Priti, à Sangita, à Nicolas, à Randy, enfin ils sont nombreux et ils sont magnifiques. Et merci, et je vais lui demander de me rejoindre, à Jacques de Maroussel. Qu'il y a des fous comme lui. Il faut vous dire que si nous sommes là ce soir, c'est aussi grâce à DJ Alain de Sainte-Ville. Car sans eux, le nombril du monde s'écroulait. Il faut aussi vous dire que cette histoire m'a touché profondément parce que dans la trame de l'aventure de Clésio à l'île Maurice, il y a une photo de Sir Henry, la tête penchée sur Ralph Kumar Gajadhar. Est-ce que c'était un signe? Je n'en sais rien. Il eut par la suite son fils Louis, qui, quand il avait des problèmes à la sucrerie d'Alma, allait se réfugier chez Lalaïne. On dit qu'il aurait eu un enfant. Je ne sais pas si c'est vrai. Par la suite, il y a eu la formidable aventure des fils Gajadhar avec Fernand de Clésio, qui vivait ici, qui a créé Fuel. C'était une aventure complètement inattendue pour 1947. Ça faisait des générations que les Leclésio, appelés le Dantec, coexistaient avec une sorte de capour. Et l'histoire a prouvé que ça continuait, mais je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le reste de l'histoire, et je vous laisse rêver dessus, ça m'a rendu bien service. Merci et bonne soirée.